Nouroudine Sakassalé, nous sommes le 3 avril 2019 et mon message est un appel à la responsabilité des leaders politiques de l'opposition. Leader politique de l'opposition parce que je n'ai pas la prétention de me prendre pour un leader malgré que je sois solidaire, actif et revendiqué de l'opposition, donc membre de l'opposition à part entière. Leader politique de l'opposition parce que j'estime que je ne veux pas croire en la bonne foi des leaders de la majorité parlementaire qui n'ont aucun intérêt à ce que l'opposition participe à une élection au Bénin, encore moins la prochaine élection législative. Leader politique de l'opposition, parce que j'estime que je ne veux pas croire en la pseudo-révélation démocrate de certains partis qui se sont vus seulement recalés par la Sénat, mais qui étaient dans les starting blocks, contrairement aux partis de l'opposition auxquels le récépissé de conformité n'a pas été délivré. Donc je ne veux pas du tout croire en cet élan démocrate de certains partis qui ont été recalés seulement au niveau de la Sénat et qui se découvrent aujourd'hui des élans de démocrates. L'injustice n'est pas bonne à combattre seulement quand elle nous frappe nous-mêmes. Mais dès qu'elle frappe quelqu'un, même si c'est notre adversaire politique, l'injustice mérite d'être combattue. Donc mon message s'adresse exclusivement aux leaders politiques de l'opposition. Pourquoi? Parce que j'estime que nous avons été suffisamment alertes et anticipatifs sur les velléités d'exclusion de l'opposition. Moi, personnellement, Nouroudine Sakassalé, j'ai recommandé à la Coalition pour la défense de la démocratie, et c'était au mois de décembre, j'ai reporté un vol pour une réunion qui a été tenue sur la question de la charte des partis politiques, où je recommandais deux choses aux partis politiques de l'opposition. J'ai recommandé de ne pas se mettre en conformité avant la date limite du 16 mars, parce que légalement, les partis politiques de l'opposition, régulièrement constitués à la date d'entrée en vigueur de la charte des partis politiques, la nouvelle j'entends, sont légaux, valides et valables jusqu'à la date du 16 mars. Donc, la seule diligence qui était à la charge des partis politiques de l'opposition était de déposer un dossier conforme à la date du 16 mars. Ceci était ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, c'était de mettre les égos de côté et de penser à un plan B, qui serait notre plan A éventuellement, pour aller vers la constitution d'un parti holding. Un parti holding avec lequel nous irons aux élections et avec lequel nous aurions un moyen de pression beaucoup plus grand. Tous les partis de l'opposition ayant mis leurs billes dans un nouveau parti politique respectueux des conditions de la charte des partis politiques, je doute que le pouvoir aurait eu la possibilité ou l'arbitraire de ne pas délivrer les quitus administratifs à ce nouveau parti-là, tel que créé. Mais il fallait, naturellement, pour qu'une telle initiative puisse voir le jour, que les égos liés au logo et à la prétendue ou affirmée puissance politique de chacun de ces partis puisse être mis de côté pour que nous allions vers cette solution. Je n'avais pas été écouté à ce moment, mais je me retrouve aujourd'hui à découvrir la mort dans l'âme avec tout le malheur possible que peut-être que cette solution aurait été la moins risquée pour nous. C'est-à-dire continuer la mise en conformité à une date postérieure au dépôt des candidatures, mais en ayant créé un parti holding au préalable avec lequel nous irons aux élections. Reste à s'entendre après sur les conditions de candidature, tout en mettant des membres fondateurs différents de ceux des partis existants. Je n'avais pas été écouté. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'impossibilité administrative d'être présents aux élections. J'appelle à la responsabilité des leaders politiques de l'opposition parce que j'estime que les deux partis dont l'idéologie est le soutien au chef de l'État n'ont pas besoin de nous gaspiller les maigres ressources que nous avons déjà pour un simulacre d'élection. Je crois qu'ils sont suffisamment grands pour s'asseoir et s'entendre et désigner ceux qui seront les députés à l'Assemblée nationale. J'estime que la responsabilité des leaders de l'opposition est suffisamment grande pour qu'ils nous démontrent aujourd'hui leur capacité de mobilisation, leur capacité d'influence et leur capacité de faire fléchir le pouvoir dans son plan savamment orchestré et en train d'être déroulé d'exclusion de l'opposition politique de toutes les joutes électorales. Il est complètement naïf, illusoire et même stupide de croire que si l'opposition ne participe pas à la prochaine élection législative, elle aura la chance de participer à une autre quelconque élection au Bénin. Moi, Nouroudine Sakassalé, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Si nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver sur la ligne de départ des prochaines élections législatives, il est inutile
illusoire et complètement stupide de croire que l'opposition politique sera autorisée de concourir à un quelconque scrutin au Bénin. La responsabilité des leaders politiques de l'opposition est donc de nous éviter cette humiliation politique, de nous éviter ce gaspillage de ressources, des maigres ressources que nous avons, pour un simulacre d'élection législative. La responsabilité des leaders politiques de l'opposition est de nous garantir que la démocratie béninoise continuera à être celle qui nous est enviée depuis des décennies. La responsabilité politique et première de l'opposition béninoise aujourd'hui est de nous assurer que nous n'allons pas nous cacher la figure parce que nous nous serons retrouvés dans un État aux apparences dictatoriales, parce que nous nous retrouverons dans une Assemblée nationale avec seulement des députés qui ont pour idéologie le soutien aux actions du chef de l'État, aussi éphémère soit-elle. J'en appelle donc à la responsabilité des leaders politiques de l'opposition parce que c'est leur silence, leur inaction et, excusez-moi le terme, leur naïveté de croire que les députés de la majorité parlementaire aideront à trouver une solution de sortie de crise qui nous ont mis dans cette situation donnée. Aucun des députés de la majorité parlementaire, avec les conditions cumulées du code électoral et les conditions sociologiques et électorales en cours, n'avait l'assurance de se retrouver au Parlement si les élections étaient ouvertes et réellement ouvertes. La popularité, le regain de popularité de l'opposition grandissant, les mettait dans une situation qui ne leur permettait pas de se retrouver réélus à l'Assemblée nationale. Je refuse que les ressources publiques auxquelles nous contribuons servent de moyens de subsistance à des personnes qui ne savent pas, parmi elles il y en a beaucoup, comment gagner 500 francs de manière honnête et individuelle. Je refuse que nos ressources publiques auxquelles je contribue, auxquelles nous contribuons, servent à financer un simulacre d'élection législative. Il ne faut pas en vouloir aux députés de la majorité parlementaire. C'est totalement humain de ne pas vouloir perdre son moyen de subsistance. C'est totalement humain de ne pas vouloir se retrouver du jour au lendemain avec l'impossibilité d'exister publiquement et même humainement, de ne pas pouvoir faire face à certaines dépenses de santé. C'est totalement humain pour eux de faire feu de tout bois pour exclure ceux qui vont les empêcher de rempiler, de se retrouver encore réélus pour 4 années à vivre aux frais de l'État. C'est totalement humain pour eux de faire feu de tout bois pour écarter de la compétition toutes les personnes qui interpellent leur conscience. Mais c'est aussi humain pour l'opposition de se battre pour ne pas se laisser exclure comme ça. Donc j'appelle encore à la responsabilité des leaders de l'opposition parce que j'estime qu'ils sont les seuls aujourd'hui à avoir le niveau d'influence, le niveau de popularité et le niveau de mobilisation nécessaire pour nous éviter d'aller vers l'abîme de notre démocratie chèrement acquise depuis 1990.